on parle de dureté de l'eau, donc de taux de calcaire dans l'eau de ville. Bonjour à toutes et bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, bienvenue dans cette vidéo consacrée au taux de calcaire, à la dureté de l'eau. Évidemment, ça va concerner vos électroménagers, vous vous en doutez. Alors comment m'est venue cette vidéo? C'est important que je vous le signale et vous allez comprendre comment des fois je les écris, comment je rétropédale un peu là-dedans. C'est quelque chose qu'on a depuis des années, les réglages de dureté de l'eau, en lave-vaisselle, en four-vapeur, etc. On en a toujours entendu parler. Et dernièrement, nous avons rentré une nouvelle marque dans le magasin qui s'appelle Vizug, V et Z-U-G. Vizug est une marque suisse. Et comme à mon habitude dans les nouvelles marques, même les anciennes, j'ai lu le mode d'emploi. Ok, je lis le mode d'emploi du lave-vaisselle. Et c'est une marque qui est fabriquée en Suisse, avec le label suisse et toute la clique et tout le bazar. Et c'est fabriqué en Suisse et je vois que le lave-vaisselle est en degré de dureté d'eau allemand. C'est marrant ça. Moi j'avais, évidemment, je connaissais qu'il y avait des degrés allemands, mais je me dis pourquoi est-ce qu'il n'est pas en degré français? Après, je me rappelle, Suisse, alémanique, donc c'est très certainement des degrés allemands. Et puis, ok, nous on a des degrés français, ils ont des degrés allemands. Il faut savoir que sur un lave-vaisselle, vous savez évidemment changer cela. On s'est passé de l'un à l'autre, il n'y a pas de problème. Et puis il n'y a pas énormément de différence, mais bon, il faut de toute façon régler sa dureté de l'eau. Et je me dis, mais au final, est-ce qu'on comprend vraiment, est-ce qu'on visualise vraiment ce que ça représente des fois, la dureté de l'eau et le taux de calcaire dans ces canalisations d'eau de ville? Et donc, si vous n'avez pas l'adoucisseur d'eau, dans vos électroménagers qui génèrent de l'eau. Alors, on en parle et on fait un petit calcul et une petite démo tout de suite. Petite parenthèse importante, toute votre maison, normalement, n'est pas raccordée sur un adoucisseur d'eau. Il faut toujours un robinet d'eau de ville, ne fût-ce que, par exemple, pour votre centrale vapeur, on en parle dans une vidéo précédente. Si vous avez un adoucisseur d'eau, il est souvent réglé. Donc, par exemple, de 0 à 6, c'est une eau très douce. Alors honnêtement, je ne suis pas spécialiste, mais je déconseille d'avoir de l'eau trop douce dans la maison. De 6 à 15, vous avez de l'eau douce. C'est souvent là, effectivement, que les adoucisseurs règlent. Peu importe le type d'adoucisseur, parce que vous en avez au CO2, vous en avez avec du sel, vous en avez de tout plein de genres de trucs. Et puis, au-delà de 15 à 30, etc., vous avez donc de l'eau dure. Ok, ça, c'est pour que vous ayez un peu le schéma. Alors, ici, en Belgique, nous avons la SWDE, Société Wallonne des Eaux. Voilà, tout le monde s'y retrouve. Et vous pouvez connaître, selon votre adresse exacte, votre rue principalement, on est bien d'accord, okay, donc la dureté de l'eau. Okay, simplement en tapant ça, vous avez cet organisme, et certainement qu'en France et ailleurs, vous l'avez également. Ça vous évite des fois de prendre l'eau et de faire avec ce petit testeur que vous avez dans l'eau. C'est encore plus précis ce que cet organisme vous fournit. Mais vous pouvez évidemment tester cela. Alors, je me suis renseigné. Que signifie réellement une dureté de l'eau? Alors, je vais vous expliquer ça très simplement. OK? Vous avez pour 1 degré français. Donc, imaginons, vous demandez, vous avez un certain degré français. Je vais vous faire le compte ici à Tamine, on a 45. Vous allez comprendre tout de suite. 1 degré français égale 10 mg de carbonate de calcium. CaCO3. Alors, on a fait un petit calcul. On a fait un tout petit calcul très simple. Nous avons 45 degrés français ici, à Sambreville, Tamine, où sont tournées les vidéos et où le magasin est installé depuis plus de 35 ans. Et je vais vous le montrer, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voici une cruche d'eau dans laquelle on utilise de l'eau de ville. Et je ne sais pas si vous voyez les effets que le calcaire peut avoir dessus. Elle n'est pas sale, elle est blanche. Donc si vous passez votre main dessus, vous l'avez. Mais ça représente quoi visuellement? Parce qu'on dit aux gens, vous avez 45 degrés français. 4 grammes de calcaire par litre d'eau de ville, bien évidemment. Ok, ça c'est 4 grammes, c'est du sel. Hein. Je vous vois peut-être déjà en commentaire, c'est du sel, on est bien d'accord. Donc vous avez bien 4 grammes de calcaire par litre d'eau. Donc effectivement, de temps en temps, les régions qui ont de l'eau très dure, il faudrait penser à en tout cas régler vos électroménagers. C'est pour ça que je fais un petit truc très important. Certains fours vapeurs qui sont raccordés sur l'eau de ville, la plupart du temps, vous devez quand même avoir une cartouche filtrante. C'est très important pour le détartrage, mais également votre lave-vaisselle. C'est pour ça que dans un lave-vaisselle, vous avez du sel régénérant qui est très très important pour en fait réguler cette dureté de l'eau dans votre maison. Ce petit schéma-ci, c'est juste un peu pour vous aider dans la compréhension globale. Quand on dit on a 45 degrés français, 30 degrés français, c'est de l'eau dure à très dure. Donc il faut effectivement gérer ça dans ses électroménagers pour éviter simplement qu'il s'abîme. Alors votre machine à café, dernier exemple, et puis je vous laisse tranquille avec ça, mais votre machine à café par exemple, elle vous demande un détartrage régulièrement.
Fatalement, si vous mettez de l'eau de ville, elle vous le demandera. Si vous mettez des filtres, c'est pour ça qu'il faut aller dans les paramètres de la machine pour en fait tout simplement lui mettre que vous avez de l'eau qui est presque douce ou en tout cas qui est moyennement dure pour qu'elle ne vous demande pas d'étartrage aussi souvent. Donc mettre des filtres et avoir de l'eau adoucie dans certaines parts de vos électroménagers, c'est peut-être intéressant. Comme ça, j'ai voulu schématiser et j'espère en tout cas que ça vous a aidé à comprendre ce qu'était la dureté de l'eau, en tout cas les degrés français dans ce cas-ci. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est un peu technique, mais de temps en temps, c'est bien de pouvoir un peu expliquer les petites choses qu'on voit tous les jours. En tout cas, dans notre métier, nous, la dureté de l'eau, on en parle tous les jours parce que tous nos électroménagers, en tout cas qui génèrent de l'eau, sont concernés. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, un pouce, les commentaires si vous voulez me proposer des idées ou simplement nous laisser votre avis pour les adoucisseurs d'eau. On n'est pas vendeur d'adoucisseurs d'eau, mais pour tout ce qui est dureté de l'eau. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, également le podcast Arrière Cuisine. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.